sud de la Méditerranée, dans le deuxième plus grand pays du continent africain. Une terre au passé très riche et aux paysages magnifiques. On y trouve aussi bien des montagnes que des lacs, des forêts que des vallées fertiles couvertes d'oliviers, de dattiers et d'arbres fruitiers. Au sud, il y a le plus grand désert du monde, le Sahara, où vivent les Touaregs. La population est très diverse, avec notamment des tribus berbères qui perpétuent leurs traditions ancestrales. Après plus d'un siècle de colonisation, le pays est devenu indépendant au début des années 1960. Son ascension, alimentée par ses ressources pétrolières, a été longue et chaotique. C'est une nation encore relativement jeune et un trésor méconnu des voyageurs. Des guides et des experts locaux vont nous faire découvrir l'Algérie secrète. L'Algérie est au cœur du Maghreb, avec 1600 km de côte sur la Méditerranée. Elle est bordée par le Maroc à l'ouest, la Mauritanie et le Mali au sud-ouest, le Niger au sud-est et la Tunisie et la Libye à l'est. Le pays est divisé par les montagnes et les plateaux des massifs de l'Atlas et de l'Aurès. Plus de 80% de son territoire est dominé par le Sahara, dans le sud. C'est le plus grand désert du monde. Un océan de sable et de rochers de 9 millions de kilomètres carrés. Un quart du Sahara est couvert de dunes de sable et le reste est composé de broussailles, de rochers et des hauts sommets du Hoggar dans le sud du pays. Le Sahara est traversé par deux grandes dépressions séparées par le plateau du Mzab. À l'ouest, il y a le massif de dunes du Grand Erg occidental qui va jusqu'à la frontière mauritanienne. À l'est, c'est l'Erg oriental qui s'avance jusqu'à la Libye. Notre voyage dans le Sahara nous fera parcourir 550 km du site, des balcons de Goufi à la vallée du Mzab, pour explorer les villes de Gardaïa et Beni Isgen. Nous poursuivrons vers le sud jusqu'à la ville ocre de Timimoune. Puis, nous emprunterons l'autoroute transsaharienne pour rejoindre Tamanrasset et nous ferons un trek dans le Hoggar. Nous terminerons notre voyage sur le plateau de l'Askrem. Le Sahara commence sur les pentes de l'Aurès. Les balcons de Goufi, dans la province de Gassira, sont surnommés la porte du Sahara. C'est le point de rencontre entre les montagnes et le désert. Ce paysage aux couleurs chaudes est traversé par les méandres de l'Oued Abiod, un cours d'eau souvent à sec à la saison chaude. L'agriculture est difficile dans cette région au climat imprévisible. Hamid Bouziamar vit à Goufi. Il travaille dans un gîte qui accueille les voyageurs en partance pour le Sahara. Nous vivons ici depuis des générations. Ça fait 300 ou 400 ans qu'on est là. Nos ancêtres ont construit une zaouïa pour étudier le Coran. C'est la terre de nos origines. On vient tous de cette terre. Goufi est connu pour ses maisons troglodytes creusées dans les gorges de Tiganimine. Autrefois, le site était habité par les Berbères, mais il a été abandonné. Ces constructions prouvent l'ingéniosité architecturale des premiers Algériens. Sur chaque balcon, il y avait un village creusé dans la paroi du canyon.
Les maisons étaient construites avec des pierres, du mortier et des troncs d'arbres, notamment de dattiers. En contrebas, autour de l'oued, il y a une oasis de palmiers, de grenadiers et de figuiers de Barbarie. À la fin du XXe siècle, le site a été abandonné à cause de la sécheresse. Il y a 15 ans, tout ce paysage était vert et plein de vie, avec beaucoup d'eau. La seule ressource qu'on a ici, c'est l'eau. Toute la vie en dépend. C'est dans le massif de l'Aurès que vivait Dia, la reine berbère. Également appelée Kaïna, elle s'est farouchement battue contre l'invasion arabe qui a accompagné l'expansion de l'islam au 7e siècle. Avec ses troupes, elle a repoussé l'armée arabe jusqu'en 703, avant de se suicider pour ne pas se rendre. Son combat pour la liberté est entré dans la légende. Goufi a toujours été un symbole de la résistance des Algériens contre l'occupation étrangère. À l'époque de la colonisation française, cette région de l'Aurès servait de base arrière aux indépendantistes algériens. Nous traversons le Sahara équatorial pour poursuivre vers le sud et la vallée du Mzab. Le Mzab est une vallée protégée située à environ 500 km au sud d'Alger. La vallée abrite 5 villes magnifiques qui ont été bâties par les berbères mozabites, puis par la communauté religieuse des Ibadites au XIe siècle. Le peuplement de la vallée remonte au 8e siècle. Les berbères mozabites ont commencé à se sédentariser parce que le climat était trop rigoureux pour leur mode de vie traditionnel. Ils étaient semi-nomades, c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas d'agriculture permanente. Ils se déplaçaient constamment dans le Mzab. Ils n'en sortaient jamais. Ils n'avaient pas de palmeraies, pas de villes. À l'époque où ils étaient semi-nomades, il y avait beaucoup moins de sources d'eau dans la région. C'est ce qui les a poussés à se sédentariser. Le plus important pour eux, c'était de résoudre le problème de l'eau et de trouver des sources et des systèmes durables pour avoir un approvisionnement régulier et une agriculture stable. C'est la genèse du peuplement du Mzab. Dès que les tribus berbères se sont installées, elles ont fondé 7 cités, dont 5 principales. Gardaïa, Beni Isgen, Bounoura, Melika et El Atef. Les villes du Mzab sont des citadelles édifiées sur un promontoire et elles suivent toutes le même principe architectural. Elles sont reconnaissables à leur minaret pyramidal qui fait office de tour de guet et leur mosquée à 4 pointes. À l'origine, c'était une forteresse défensive en haut de la colline, la mosquée étant considérée comme la dernière ligne de défense. Autour de la mosquée, les habitations sont agencées en cercles concentriques. Elles se ressemblent toutes, car la société mozabite était basée sur l'égalité. La vie était fondée sur le respect de la famille. Chacune des 7 villes du Mzab est composée de 3 quartiers différents. Le Ksar est le village où les gens vivent. Ici, la priorité, c'est le quotidien de la famille. Il y a principalement des maisons. Elles sont apparues progressivement, d'abord autour de la mosquée, avant de s'étendre, jusqu'à former la ville que vous voyez aujourd'hui. Habitant de Gardaïa, Kamel Ramadan est aussi guide.
On parle d'une maison traditionnelle qui est construite dans le fond. Ce sont tous des rochers qui touchent cette partie pour construire toute cette maison traditionnelle avec des matériaux de construction, avec des rochers. Puis mon traditionnel dans le noyau de son ancienne ville de Gardaïa, c'est un échantillon qui existe maintenant plus de 10 siècles. Dans le Ksar, nous avons aussi le quartier des marchands. Il est bien délimité et il y a une porte d'entrée. Ça veut dire que dans le reste du village, c'est interdit d'ouvrir un commerce. Parmi les coutumes traditionnelles ici, toute cette partie, c'est spécialement pour le commerce, pour les activités commerciales et activités, voilà. Dans l'ancienne ville, c'est là uniquement la mosquée, l'école coranique et aussi les habitations, plus de 9000 habitations, pour minimiser le bruit et aussi pour faire l'intimité totale. C'est pour cela qu'ils ont fait cette séparation. Les visiteurs de la vallée du Mzab ont souvent entendu parler des fameux tapis locaux qu'on peut trouver dans les rues marchandes de Gardaïa. Il y a même une fête des tapis tous les ans en avril. Les tapis mozabites sont en poils de chèvre, décorés de motifs géométriques et de symboles typiques de la région. Hossine Nedjar, marchand de tapis, nous explique la signification de ces dessins. Le tapis de Gardaïa se connaît tout le monde. Et maintenant, il y a des gens, ils prennent les modèles ou les motifs d'ici, par exemple, de Mzab, ils tissent d'autres pieds. Il y a des tapis haute laine, on fait par terre. Il y a des tapis géométriques, on fait sur le mur. Il y a des tapis avec plein de symboles, on fait comme des gandoras, ça s'appelle la gandora mozabite. Il y a le tapis, on fait sur la porte de la chambre de la mariée. Et le tapis mzab, c'est plein de symboles. Chaque motif, il y a une explication. Différents modèles de tissage. Les mêmes symboles, on trouve dans ce tapis-là. Les trois modèles de contact, amour, business, forcé, les trois modèles de mariage. Les deux clés, voilà. Les clés, ça dépend le premier contact, amour ou jalousie. Et ça, c'est la broche, c'est le pour garder la laine. Pour garder la laine. Le serpent, les scorpions, les petits oiseaux, voilà. Chaque chose, il y en a les empreintes. Aussi les couleurs, chaque couleur, ça présente quelque chose. Le tapis mzab, surtout la gandora mozabite, plein en fond noir. Le noir, c'est contre la mauvaise œil. Et le rouge, c'est l'amour. Et le jaune, chaque couleur, ça donne quelque chose. Les villes du Mzab ont un plan très précis et chaque quartier correspond à une fonction précise. La deuxième partie de la ville, c'est la palmeraie. Contrairement au village qui est tout en haut de la colline, la palmeraie est toujours dans la vallée, tout près de l'eau. C'est là que le système de distribution a été développé. Je voudrais préciser que ces palmeraies ont été créées de toutes pièces. Elles ne sont pas apparues dans une oasis naturelle du désert. Elles sont le résultat de siècles de travail acharné et d'un équilibre trouvé entre la nature et les besoins humains. La troisième partie de la ville, c'est le cimetière. En général, il est dans la partie la plus basse, jamais en hauteur et jamais au fond de la vallée. Il doit être à l'abri de l'eau et des inondations. Le cimetière est une partie importante de la ville, parce que c'est sa mémoire et qu'on y trouve toute l'imagerie religieuse. On différencie les tombes des hommes et des femmes. Celle d'une femme a deux pierres au niveau des pieds et une au niveau de la tête. Pour un homme, c'est deux au niveau de la tête et une au niveau des pieds. De nombreux Mozabites sont de confession ibadite. La religion occupe une grande place dans leur vie. La dynastie des Rostémides, qui a régné dans le nord de l'Algérie au 8e et 9e siècle, était ibadite. Quand elle a été renversée par les Fatimides, les fidèles ibadites se sont réfugiés dans le désert où ils ont bâti leur cité au 11e siècle. L'ibadisme est une branche de l'islam distincte du chiisme et du sunnisme.
L'ibadisme est très strict et chaque individu doit répondre de ses actes. Il ne suffit pas d'être musulman pour obtenir le salut. Un comportement respectueux des préceptes religieux doit accompagner la foi. Cette règle, conjuguée à un environnement très dur et une vie quotidienne difficile, a sans doute favorisé un grand sens de l'effort dans cette communauté. Chez les Mozabites, la notion de chômage n'existe pas. Les gens travaillent, même s'ils n'ont qu'un petit boulot. Surtout les jeunes. Le travail est une valeur sacrée. Les ibadites sont reconnaissables à leurs vêtements blancs. Les femmes mariées portent le haïk ou haouli, un grand tissu blanc en laine qui recouvre tout leur corps, à l'exception d'un œil. Les ibadites vivent depuis des siècles dans la culture mozabite, mais ils forment une communauté soudée à part. Les mosquées des ibadites se distinguent, comme l'a écrit un auteur, par leurs quatre doigts dressés vers le ciel. Celle de Gardaïa a été bâtie au XVe siècle. Les quatre pointes représentent quatre des piliers de l'islam, la mosquée étant le cinquième. L'intérieur est une série d'espaces délimités par des arcades en pierre qui soutiennent la structure. La couleur blanche évoque la sérénité, un concept typiquement ibadite. L'imam de Gardaïa nous en dit plus. Le secret de la cohésion de la communauté, c'est la construction des habitations tout autour de la mosquée. C'est grâce à ça que nous restons tous unis. Ça renforce nos liens les uns avec les autres. Dans la ville voisine d'El Hatef, la mosquée est très originale. C'est un édifice austère, à moitié enterré dans le sol. Sa conception reflète l'unité de la communauté. Brahim Hadji, guide touristique, nous l'a fait visiter. Alors ici, on est dans le monument de Am Ibrahim, un monument qui est conservé ou bien fait pour les prières. Et ce qu'on voit derrière moi, c'est le mihrab, ou plutôt le minaret, où le muezzin ou bien la personne va appeler à la prière. Et juste à côté, le mihrab, donc le mihrab pour la destination de la Mecque. L'imam, il est là, donc les gens derrière, pour faire la prière. Et si on va légèrement derrière, pour voir derrière ce muret, vous avez la tombe du sage ou bien de l'imam, Am Ibrahim toujours. Là, à ma gauche, et ce que vous voyez, donc là où l'imam va s'asseoir pour le prêche ou bien pour lire le Coran. Cette partie que vous voyez ici, c'est un compartiment pour hommes. À ma droite maintenant, c'est le compartiment des femmes. D'habitude, il y a une isolation entre les deux compartiments. Là, et ce que vous voyez à l'entrée, donc les gens vont laisser les chaussures à l'extérieur pour passer ou bien pénétrer dans le bâtiment. Donc, il y aurait des tapis au sol. Et ce qu'on voit là, à ma droite, ces ouvertures pour les livres de Coran. Et ce que vous voyez ici, cette entrée ou bien cette ouverture, est le premier compartiment des femmes. Et vous avez la deuxième qui est par-dessus, là à ma droite. Et là, ici, c'est l'entrée des femmes. Ce bâtiment, vu son architecture, il a inspiré beaucoup d'architectes contemporains. Là, ce que vous voyez par exemple, ces ouvertures ici, c'est des ouvertures de climatisation, ainsi de capter la lumière. Et ainsi, les piliers que vous voyez, donc des positions différentes, ça donne un sens d'intimité, donc une sorte de rideau entre l'extérieur et l'intérieur. Donc ici, dans quelque part dans ce coin-là, vous n'avez pas une vue sur l'extérieur. Automatiquement, ça serait l'inverse de l'extérieur vers l'intérieur. La mosquée Sidi Ibrahim a été bâtie au XVe siècle et elle est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un édifice aux lignes pures et futuristes.
Elle a servi d'inspiration à l'architecte Le Corbusier pour une chapelle en France. Dans le Mzab, la principale source de revenus est la production de dattes. Il y a environ 60 000 palmiers dattiers dans la vallée. La récolte se fait en août, mais il faut entretenir les arbres toute l'année, notamment pour faire la pollinisation à la main et l'élagage. L'ouvrier chargé des opérations commence par lancer un appel pour prévenir les riverains qu'il va monter dans un arbre et qu'il risque de les apercevoir. Le respect de la vie privée est essentiel pour les villageois. Est en train de répartir ces régimes de dattes, donc il commence à peser un petit peu lourd sur le palmier, donc il va essayer de répartir et de partager le poids des régimes de dattes sur les branches de palmier, et ce qui n'est pas bien formé comme régime de dattes ou bien de dattes, automatiquement il va les couper comme vous les voyez. La couronne de feuilles est souvent très large et les palmes ont de longues épines à leur base. Le travail de l'ouvrier agricole est long et pénible, et il a souvent une centaine de palmiers à élaguer. Les palmiers fournissent une matière première précieuse et rare pour les constructions. Les branches coupées serviront forcément plus tard. Les gens d'ici ont réussi à survivre dans un environnement très difficile parce qu'ils n'ont pas cherché à imposer leurs lois à la nature. Au lieu de ça, ils ont compris la nature et ils vivent en respectant l'équilibre fragile entre les ressources et leurs besoins. C'est la même chose pour tout. L'eau, le bois, toutes les ressources sont gérées avec beaucoup de soin. C'est ce qui explique ce système ingénieux très précis. Parmi ces créations du Mzab, il y a notamment le système d'irrigation. Brahim Hadji nous parle de la Fogara. Ici, on est dans le nid de l'Oued de la vallée du Mzab. La crue qui va venir juste devant moi, elle est automatiquement captée à travers ces 18 ouvertures, qui sont 18, et ce système qui a été créé il y a à peu près 900 ans. Là, avec ces prises d'eau, c'est des canaux qui vont drainer l'eau vers l'oasis de Gardaïa juste derrière. Donc l'eau, elle va passer dans l'oasis ici de Gardaïa, dans différents quartiers. Et plus tard, on aura un système de répartition qui est unique, qui a été créé à peu près 900 ans avant. Un système, comme je vous l'ai dit, unique, loyal, et une certaine démocratie de la société. Et l'extrait de toute cette eau qui va irriguer l'oasis de Gardaïa va encore continuer au plus loin, juste à côté du village, pour aller encore à une distance très lointaine. Alors, juste à côté, on a une tour qui est juste au sommet de la colline, près de ce système de captage d'eau, qui va communiquer automatiquement avec le bâtiment qui est à côté, où on peut trouver, ou bien il y aura un groupe qui va superviser la crue en général et l'opération parfaite de ce système. Donc ici, on est dans une ruelle, juste à côté de la sortie ou bien de ces canaux automatiquement. Donc l'eau, elle va passer à travers ou bien dans ce sens-là, tout au fond de cette ruelle. On a des prises d'eau qui sont juste en bas ou en dessous des murs. Donc la hauteur parfois du débit d'eau, elle est de 15, parfois jusqu'à 60 cm de hauteur. Et ce que vous voyez ici, comme je vous l'ai dit, c'est des prises d'eau. Donc ces prises d'eau, elles sont mesurées suivant la surface et la quantité de palmiers dans l'oasis. Et ceci avec ce moyen qui est le noyau de dattes. Pour voir d'autres innovations architecturales inspirées par les contraintes du Sahara, il faut poursuivre sa route plus de 500 km vers le sud-ouest, dans le désert, pour explorer l'étrange ville de sable rouge de Timimoun, dans la province de l'Adrar. «
C'est une ville marchande typique du Sahara et on y vend toujours des produits locaux. Mais au XVIe siècle, on y faisait aussi le commerce d'esclaves. Timimoun était au carrefour des routes des caravanes et on y trouvait le plus grand marché aux esclaves d'Algérie. Aujourd'hui, il reste en ville une grande communauté noire, descendante des esclaves d'autrefois. Comme à Gardaïa, l'architecture est très particulière. Les édifices en terre ocre sont nés du climat impitoyable et de l'ingéniosité des hommes. Cap Terre est le centre de préservation de la tradition du bâti en terre. Il a été fondé par le ministère de la Culture pour promouvoir ce patrimoine architectural. Il apprend les techniques ancestrales des Berbères à des étudiants venus de tout le pays. Aujourd'hui, on a eu la chance de venir au Cap Terre pour réellement découvrir, prendre conscience des techniques ancestrales qui ont permis à nos ancêtres de bâtir ces merveilleux chefs-d'œuvre architectural et artistique et qui sont parfaitement adaptés à notre culture et à notre climat. C'est de notre devoir de préserver tout ce patrimoine, toute cette culture et cette diversité. Les plus belles réussites de l'architecture berbère sont sans doute les Ksour, bâties par les Zénètes, des tribus berbères qui contrôlaient la région à l'époque. Un Ksar est un village fortifié. Il en reste quelques-uns encore intacts, au bord d'un lac salé appelé Sebka de Timimoun. Ils sont très prisés des touristes. Nous sommes au Ksar d'Igezer, à une douzaine de kilomètres de Timimoun. À l'origine, son architecture est défensive, avec une tour de guet pour surveiller la casbah et les environs en cas d'attaque ennemie. Au Xe siècle, le Ksar était aussi la demeure d'un seigneur qui ouvrait ses portes aux habitants en période de paix. Et là, si on voit, il y a des maisons. 10 familles vivaient sur place et on voit encore les vestiges de quelques habitations, d'un grenier et d'une salle de prière. Et si vous voyez, ça c'est l'entrée principale, ça c'est l'accès pour la maison. Et si vous les bâtiments sont construits en toub, un pisé qui réunit des matériaux comme le sable, la pierre et l'argile rouge locale. Et si vous voyez, regarde la construction, là il y a des dômes, genre comme ça, c'est fait à la main. Et l'épaisseur des murs, ça dépasse les 30 cm. Comme ça, c'est des obstacles pour que la chaleur ça rentre pas et le froid aussi. Hein. Donc pour que tout le monde, ça soit bien. Yasmine Terki est la directrice de Cap Terre. Ces architectures n'étaient pas le produit d'un architecte. Ces architectures étaient le produit de générations et de générations et de générations de bâtisseurs qui avaient tour à tour, depuis des siècles, voire même des millénaires, réfléchi à trouver des solutions pour habiter dans les lieux dans lesquels ils vivaient et qui, de génération en génération, ont transmis les solutions qu'ils avaient trouvées aux générations futures qui, elles-mêmes, ont augmenté ces solutions de leur propre expérience et que les architectures que je découvrais aujourd'hui étaient le produit de toute cette accumulation d'expériences, le produit, en fait, de ce qu'on appelle la tradition. Ces châteaux étaient situés à des points stratégiques sur la route des caravanes arabes. Le seigneur du Ksar offrait l'hospitalité aux voyageurs, puis exigeait qu'ils paient une redevance. Au fil du temps, le rôle du Ksar s'est étoffé. C'est devenu un lieu de vie pour la communauté et il veille toujours sur la casbah. À cause de l'aridité de la région, les nomades qui vivent dans le désert dépendent des rares ressources naturelles. Ces fermiers berbères préparent leur pain traditionnel appelé tagela.
La pâte, à base de semoule de blé, est longuement pétrie et façonnée en forme de disque plat, avant d'être cuite sous le sable chaud, les braises et la cendre. La tagella est le plat de base des Touaregs depuis plus d'un millénaire et la méthode de préparation n'a pas changé. On le sert avec du thé brûlant. Quand on explore le désert autour de Timimoun, on aperçoit parfois des dômes étranges. Ces monuments sont des koubas, les tombeaux d'hommes saints appelés marabouts. Les marabouts étaient soufis, et pendant longtemps, ils ont exercé une grande autorité dans les villages. Ils arbitraient les conflits terriens entre les clans et assuraient la cohésion de la population en temps de guerre. Ils étaient tenus en haute estime par tout le monde, comme le prouvent ces monuments à leur mémoire. Ce qui est le plus impressionnant, c'est le silence. Mais il n'est pas total. On est entouré par le bruit du vent et de l'eau. C'est assez surprenant d'avoir de l'eau dans le désert. Et c'est une expérience qu'on ne peut vivre nulle part ailleurs. On peut ressentir ce que les Touaregs ressentent quand on vient dans le désert et dans le Sahara algérien. Dans le sud du Sahara, on trouve deux destinations touristiques très visitées, les parcs culturels du Tassili et de l'Ahaggar. Pour les atteindre, il faut faire 2 heures d'avion depuis Alger jusqu'aux aéroports de Janet Tiska et Taman Rasset. Au cœur du Sahara, on a du mal à croire qu'autrefois, la région était habitée et luxuriante, comme le rappellent les peintures et les gravures rupestres du Tassili, qui ont environ 9000 ans. On y voit des chasseurs-cueilleurs qui chassent des félins, des buffles, des gazelles, des lions, des hippopotames et même des poissons. Le désert était autrefois une savane avec des lacs et une faune et une flore très riches. L'art rupestre raconte l'histoire de civilisations balayées par la désertification. Il y a plus de 15 000 peintures rupestres sur les parois du Tassili Nager et encore beaucoup plus érodées par le temps et les éléments. Comme ces scènes vues dans la cité de Sefar et dans le massif de la Tadra Rouge, les peintures nous parlent des sociétés africaines antiques et de leurs cultes religieux. Taman Rasset est la plus grande ville de la région. C'est l'oasis la plus méridionale du Sahara algérien et la capitale des Touaregs. Au pied des montagnes s'étend cette ville que les habitants surnomment Tam. Le site a d'abord été appelé Fort La Perrine, une garnison de la Légion étrangère. Depuis, c'est devenu une sorte de ville frontière où des gens s'installent parce qu'ils y trouvent des emplois mieux payés que dans les quartiers pauvres de la banlieue d'Alger. Les artisans locaux sont connus pour la qualité de leurs bijoux, mais aussi pour le travail du métal et du cuir. Le mot Touareg proviendrait de l'arabe qui signifie « abandonné par Dieu », mais les Touaregs lui préfèrent le nom Imouag, les gens libres. Sur le plan religieux, cette ethnie berbère adhère à un courant de l'islam appelé malikisme. Il est fondé sur les enseignements du prophète El-Maghili.
Leur tradition diffère de celle des autres musulmans. Tamanne Rasset a toujours été sur la route des caravanes qui traversaient le Sahara. Les capitaines des caravanes de chameaux sont toujours les Touaregs, qui connaissent le désert mieux que personne. Le costume traditionnel des hommes est lié à leur foi. Dès l'âge de 25 ans, ils sont vêtus d'un chech ou taglemoust, souvent bleu, qui leur vaut le surnom d'homme bleu du Sahara. Ils se couvrent toujours la bouche, le nez et le front, sauf quand ils sont avec leurs proches. Zahra Khodja, guide local, nous en dit plus sur les traditions Touareg. Dans la communauté Touareg, dans la société Touareg, pour ce qui est des hommes, lorsque le garçon doit passer de l'adolescence à l'âge adulte, il porte le voile lors d'une cérémonie qui lui est organisée par sa communauté. Cela lui permettra justement, quand il devient adulte, de faire comme ses aînés. Il se couvre la moitié de la face, et donc il ne laisse que ses yeux apparaître seulement. C'est tout simplement par rapport au code du comportement de la société Touareg. Ils ont quand même un code qu'ils doivent respecter. Et ce code-là, on l'appelle Eshek. Et cet Eshek comprend toutes les règles que doivent suivre les hommes en particulier. Ces hommes sont éleveurs. Ils se retrouvent pour aller ensemble au marché acheter des bêtes. La tradition veut que les femmes Touareg portent un voile plus léger que celui des hommes. Effectivement, les deux sexes portent le voile, mais ils sont différents. C'est pour une question de pratique surtout. Alors, les femmes sont en général restent dans le campement, même si elles s'éloignent un petit peu pour faire transhumer leurs chèvres, leurs troupeaux. Elles sont surtout donc elles reviennent toujours au campement. Et elles ne sont pas obligées de se couvrir la face. Et puis la tradition est restée. La société Touareg est matrilinéaire, mais le rôle des femmes reste largement limité à la sphère domestique. Elles ont pourtant un statut privilégié par rapport aux autres femmes du Maghreb. On l'appelle système matrilinéaire, parce que le pouvoir du commandement est utérin. C'est la mère qui le transmet, mais c'est pas elle qui commande. Voilà, c'est ça, c'est par rapport à la lignée. Dans la société Touareg, la femme est considérée comme le pilier de la communauté. À petit niveau, ou à un niveau inférieur, il y a la cellule familiale. Et dans cette cellule familiale, quand il y a mariage, c'est la femme qui apporte sa tente, sa maison. Parce que même le mobilier, c'est elle qui le ramène avec elle. En fait, l'homme est toujours en voyage et elle reste dans le campement. Donc quand il y a séparation, c'est l'homme qui part, mais c'est elle qui reste. La musique est le domaine des femmes. Elles composent les chansons et jouent d'une sorte de violon appelé imzad. C'est une calebasse semi-sphérique avec une seule corde dont elles sont les seules à avoir le droit de jouer. Les chansons Touareg parlent de la nostalgie du passé et célèbrent les exploits des héros d'autrefois. Le son de l'imzad accompagne les rencontres traditionnelles entre jeunes hommes et jeunes femmes. Des veillées qu'on appelle Aal,
pendant lesquelles on se fait la cour. Les hommes n'ont pas le droit d'en jouer, sous peine d'être maudits. Les djinns et les mauvais esprits jouent un rôle central dans la vie des Touaregs, et l'imzad est un instrument qui aurait le pouvoir de repousser les forces malfaisantes et de soulager la douleur. Taman Rasset est devenue une base de l'armée française à l'époque de l'Algérie française. Les soldats français étaient déployés dans le désert pour mieux le contrôler au sein des compagnies méharistes sahariennes. La Légion étrangère a été fondée en 1831 par le roi Louis-Philippe pour combattre dans les territoires coloniaux français en incorporant des étrangers et des autochtones. Elle a été stationnée en Algérie jusqu'à l'indépendance du pays en 1962. À l'époque coloniale, la France a utilisé le Sahara pour ses essais nucléaires avec au total 17 tirs aériens ou souterrains sur place entre 1960 et 1966. Le rôle de la Légion étrangère était la protection et l'expansion de l'empire colonial français et de ses intérêts en Afrique. Pendant les 130 années de présence française, des centaines de milliers de légionnaires ont été envoyés dans le pays pour assurer le maintien de l'ordre. Dans ce fort de Taman Rasset était stationné un jeune officier de l'armée française, Charles de Foucault. Arrivé en Algérie vers 1880, il a eu une vie très dissolue. Mais il est entré dans les ordres après avoir eu une révélation. Il a décidé de consacrer son temps à aider les Touaregs. Devenu ermite dans le désert, il s'est fait appeler le frère universel et a dédié sa vie à Dieu. Zahra Kodji connaît bien son histoire. Il cherchait un endroit où justement retrouver l'absolu. Il voulait vivre comme Jésus dans la pauvreté. Et il voulait aider les autres. Il est arrivé ici. Il a vu que les gens étaient démunis et c'était pour les aider. Et l'atmosphère, le climat, tout pouvait lui permettre de souffrir quelque part, mais d'être bien heureux auprès de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'ils aidaient les autres. Mais à un certain moment, il est tombé malade, très malade, et il a été sauvé par les Touaregs. Donc, il a compris qu'il pouvait donner, non seulement donner, mais recevoir également. Et c'est pour ça qu'il a fini par se proclamer le frère universel, le frère de tout le monde. Au cours de sa quête spirituelle, Charles de Foucault a quitté Taman Rasset pour errer jusqu'au plateau de l'Ascrème. Pour le rejoindre, il faut parcourir plus de 300 km dans la plaine. Le paysage est fait de sable et de formations rocheuses en granit et en basalte. Le plateau de l'Ascrème culmine à plus de 2700 mètres. Il est composé de coulées de lave et de sommets volcaniques, et dans le Tassili du Hogar, on peut voir d'immenses formations en grès qui surgissent du sol. On arrive ensuite dans l'Atakor, une vallée volcanique dans le plateau du Hogar. Les Touaregs sont les premiers à s'être installés dans la province de Taman Rasset. Malgré le manque de pluie, il y a assez d'eau pour les chameaux et les chèvres.
La plupart des Touaregs ont abandonné le nomadisme pour chercher un emploi en ville, dans l'industrie ou le tourisme. Certaines familles restent malgré tout attachées à leur mode de vie ancestral. On gagne notre vie grâce à nos animaux. On traite les bêtes et parfois on vend des produits en ville, à Taman Rasset. On suit les animaux qui ont besoin de se déplacer pour trouver des pâturages qui dépendent de la pluie. On veut rester avec nos animaux et être libre. Je ne veux pas vivre en ville, parce qu'il faut avoir un diplôme là-bas. Ma vie me plaît. Je ne veux pas avoir le stress de devoir payer des factures. Nous, on n'utilise pas l'électricité. Sur la route vers l'Askrem, on passe par le lit asséché d'une rivière. Le paysage est aride, mais le désert est parsemé de sources. Le désert d'Atacor ne reçoit que 15 mm de précipitations par an et c'est l'un des endroits les plus secs de la planète. Il y a de nombreuses geltas, de petites cuvettes qui se remplissent d'eau où les hommes et les animaux peuvent se ravitailler. Un guide local nous parle du quotidien des Touaregs. Si la vie est dure ici? Non. Elle n'est pas compliquée pour nous. Parce qu'on connaît le désert et qu'on le comprend. On sait où et comment trouver des points d'eau. Mais ceux qui ne sont pas d'ici n'arriveraient pas à les trouver. Ils marcheraient dans tout le désert et mourraient de soif avant de trouver une source. Les geltas se forment quand une rivière s'assèche et laisse une poche d'eau. Ou bien quand une source se déverse dans des mares profondes, au milieu des rochers en granit. Si vous voulez trouver de l'eau, il faut chercher une montagne. En général, on en a au pied de la montagne, parce que l'eau ruisselle du sommet. Le père Charles de Foucault s'est installé ici, au bout du monde. Sur le sommet de l'Askrem, il a bâti son ermitage en 1911. Il y a fait sa retraite spirituelle dans les montagnes du Hogar jusqu'à sa mort en 1916. Il a été assassiné ici par des pillards Touareg. Sa chasuble est toujours accrochée dans son humble demeure. Au cours de son séjour dans le désert, Charles de Foucault a rédigé un dictionnaire Touareg et beaucoup appris sur la culture et le patrimoine local. Il repose aujourd'hui dans ce désert qu'il aimait tant.